fait partie d'une collection Mini Léon chez les éditions Léon Art and Stories, qui est donc destinée aux enfants pour faire découvrir l'art aux enfants. Donc il y a une première collection qui a été lancée pour les 7-12 ans, on va dire, où il y a une fiction qui se déroule dans l'album, basée sur un tableau ou une œuvre, et donc un album par artiste. Cette petite collection-là a été lancée ensuite, depuis 2 ans, pour faire découvrir aux plus jeunes, à partir de 3-4 ans jusqu'à 7 ans. Et là, on choisit des thèmes plutôt qu'un artiste, et on va aller chercher des images sur le thème chez des artistes variés, de styles différents, d'époques différentes et de nationalités différentes pour donner une panoplie un petit peu variée. Le thème du cirque, par exemple, c'était un des thèmes que j'avais proposé à l'éditrice et qu'elle avait accepté d'emblée, parce que ça rentrait bien dans les intérêts des enfants de cet âge-là. Et ça plaît aux garçons et aux filles, donc c'était un peu à partir de ça. Moi, je décide d'une petite phrase en français et en anglais, puisqu'ils sont tous bilingues, et je donne des indications à l'illustrateur qui va lui ensuite donner son avis, mettre son grain de sel, et puis après laisser aller sa fantaisie. En même temps, ça a été une vraie expérience d'édition parce que sur les autres albums, j'intervenais en tant que traductrice, correctrice sur la partie en anglais, alors que là, j'étais vraiment dedans à l'origine, puis c'était un échange permanent entre les quatre de l'équipe, quoi. En 2017, probablement, on va remettre ça. Je suis ravie parce que vraiment, c'était une vraie expérience et un vrai plaisir. La littérature enfant, moi j'ai toujours adoré en tant que lectrice, hein, j'ai toujours acheté des albums pour enfants. Donc les lire, les écrire, bah oui, c'est un rêve, quoi. Donc cette édition m'a permis de mettre le pied dedans. J'espère que ouais, ça va continuer. Et puis bah, maintenant, mon petit cirque est sorti. Alors il a été vu par la famille Fratellini. Il a été préfacé par Arnaud Fratellini, qui nous a fait une jolie phrase. Jamais l'expression qui compare le cirque à un opéra de l'œil n'aura été aussi justifiée. Arnaud Fratellini. Donc la consécration pour le premier album chez moi, je suis aux anges, quoi.